Et là, normalement... Alors, attends, est-ce que j'arrive à vous le calibrer proprement? Ce serait merveilleux. Ouais. Attendez voir. Ah ouais, c'est... pas la vendre un peu plus gros. Ah non, il n'est pas dynamique. Je peux pas les tirer. Oh, poupon! Bah! Merci, c'est gentil, mais... oh là là, t'as fait un direct éphémère! T'as à peine fait une heure, c'est t'as flingué les yeux à ce point. Merci d'avoir pensé à moi pour un relais de chaîne. Ah non, c'est le DOSBox classique, c'est pas le DOSBox X qui est plus modulable. Ah merdoum. Ah ouais, ça fait petit ce que vous allez voir. Oh mon dieu. Oui, ça fait vraiment. Ça fait rikiki. Je fais la promotion en bas de l'écran de mon courriel, l'adresse courriel. Écrivez-moi là. Bon, je pourrais pas faire mieux, puis je vais pas me battre, hein, je vous le cache pas. Et c'est un relais de chaîne. Merci, j'espère que mon contenu et mon propos vous plairont. En tout cas, soyez les bienvenus. Bienvenue, bienvenue. Alors, hop, normalement, si je fais ça, tac. Là, il m'a reconnu ma manette. J'avais testé ça et non, c'était bon. Ah, c'est pour les replays. Oula, c'est un petit peu rigide. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. On voit que c'est un des premiers jeux de la PlayStation 1. C'était encore... Repoupon, merci pour le relais de chaîne. Ibi. Ce fut court, mais ce fut bon, je pense, hein, ton rage. Voilà, je suis déjà 15h30. Oui, go! Oh! Ah non! Ah non! Alors, panique! Pourquoi? Parce que ma manette, elle se barre sur la gauche. Ah merde! Je vais devoir recalibrer. GG! T'as fini... Oh là là! Bravo, bon. D'accord, voilà pourquoi. Ibi. Option. Alors, que je re... Je recalibre le digital. Move dans tous les coins. Le centre-le et appuie sur... Voilà, feu. Et là, normalement, elle devrait bien se tenir, ma manette, non? Ouais, c'est le bon Dieu Destruction Derby, ouais. Je le redécouvre, hein. Je me souviens du 2, mais alors le 1... Oh non, j'ai un bug! Bah! J'avais pas le bug quand j'ai testé ce matin! Rigole pas, vilaine! Je sais pas qui c'est qui arrive. Mais non, mais je peux pas piloter avec une direction faussée, moi. Oh là là, le handicap! Oh bah merde! Alors je fais les tests avant de prendre mon antenne et puis quand j'en sais, évidemment faut que ça merde. Joie! N'importe quoi. Bon, je vais refaire une calibration. Ouais, un peu déçu par la durée de la dernière forteresse, mais j'ai bien aimé le jeu. Du coup, je passe au 2. Ah, le 2, j'ai jamais fait. D'accord, d'accord. Ouais, c'est bien que tu démarras donc ce soir. Waouh! Alors à mon avis, vous êtes les deux que je vais suivre ce soir. Christella avec Petit Seb dans le bord de l'espace. Dis Poupon, si tu fais le 2, là pour le coup, je vais le découvrir sur ton antenne. Ça m'intéresse. Oui, Exi. Ou alors si je fais analogue. Mais analogue, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
C'est là où je me rends compte que ça résout le problème. Si t'es pas trop cassé avec les gravillons, c'est ta panne. Ouais. Ok, oui, c'est du conditionnel. Ah! Ah bah c'est parce que j'ai pris le mauvais mode en fait. Fallait pas que je prenne digital mais analogue. Ah oui, là ça marche très bien. Ah, enfin. Ouais. J'aime bien, c'est les fausses pubs dans ce genre de jeux vidéo, surtout à l'époque de la première PlayStation. Alors quand je fais de la fumée là, ou une espèce de vapeur d'eau, soit je freine, soit je dérape. Oh la vache. Alors les arrêts sont simples, mais il faut s'accrocher à son slip. C'est quoi cette musique? Oh! Ça c'est un retardataire qui se fait déboîter. La voiture mauve. Go, go, go. Rep, rep, rep. Poussez-vous, bip, bip. Oh et oh, vilain! Oui, je vais être sur le podium, moi, monsieur. Oh mon dieu, on est même pas mis pour ça. Aïe! Second place toi-même. Oh! Voiture noire, bouh! Là, on imagine dans les tribunes le public qui fait pareil comme dans les îles. Qui c'est qui rigole? Il y a une vilaine dans la troupe, qu'elle se dénonce. On se puait là. Oh oh oh, attends, je serai pas si affirmatif malheureux. Bon, visiblement, je parviens à prendre le commandement de la course, mais jusqu'à quand? Là, il faut plus essayer de sauver sa peau vu le nombre de tours que de défoncer les autres. Merde. Ah! Je repense à au jeu qui avait été analysé et critiqué par joueur du grenier là, par Fred. Le K2000, qui est une série que j'adore, Dark Rider, de son nom original. Et le jeu K2000, en fait, ils ont osé essayer, avec la voiture qui était capable de sauter à haute vitesse, de mélanger jeu de plateforme et jeu de bagnole. C'est très culotté comme concept. Ça a donné évidemment une bouse innommable, estampillé K2000, mais bon, bref. J'ai jamais joué, ou alors si, je l'ai peut-être téléchargé quand il avait été déclaré abandonnoir il y a quelques années, et je l'ai essayé une demi-heure juste pour rigoler, et j'ai tout désinstallé après. J'ai possiblement fait ça, mais non, mais... Et voilà, dernier tour et je me fais déboîter. C'était sûr. Oh! Sur la dernière ligne droite, sortie du dernier virage, je reprends ma place de roi. Ah oui, je veux sauvegarder ce... Ah oui, magnifique. Je sais pas. Coucou. Ah, un dénommé Thunsen est là. Bonjour Thunsen. Mais... N'écrase pas mon truc. Ouais, c'est un peu bancal le Schmidblick. Ah. Voilà. Pas mal avec l'annonce de... Hop. Vous voyez, à terme, vous aurez votre son associé chacun et une annonce comme quoi vous venez de débarquer. Mais ça, je le réserverai aux VIP. Donc, voilà. Les plus fidèles d'entre vous. À terme, je vous trouverai des trucs. Et vous aurez tous votre petite annonce comme ça. Ça fait sympa. Au moins, on vous remarque quand vous arrivez. Ouais, c'est ça. Alors, c'est Ikea, exactement. Je sais pas si Poupon est encore devant son écran. Non, il était d'ailleurs JVZoubi. Oui, bisous, Poupon. Mais, ouais, on pourra lui transmettre.
Bah, il va peut-être faire un direct ce soir sur le deuxième opus. Il a fini le premier opus tout à l'heure. Puis une scène. Et si tu veux, on pourra lui faire la commission. Comme quoi, tu serais intéressé de jouer en multi avec lui. Dès que t'auras un nouvel ordi. J'ai un carton énorme et un plus petit. Ok. Bah, bon courage dans ton montage. Oui, d'ailleurs, parce que c'est toi qui l'avais demandé hier, tu une scène. Si tu veux venir en vocal, tu es évidemment bienvenu, mais ça reste ouvert surtout aux VIP que vous êtes. S'il y en a qui veulent bavarder en direct avec moi, vous manifestez dans les chats, hein, dites-le moi. Puis j'ouvre le Discord. Voilà, alors là, je me demande si... Ah ! Attendez, faut que je retire mon drap, parce que c'est un coup à faire tomber sur ma table, ma tasse, mon mug. Alors, je vais essayer si j'arrive à faire tomber le fond, pas de gâchis, jusqu'à la dernière goutte de crème. Ah, ça a l'air de marcher, mon astuce. C'est bien. C'est bien. J'ai un carton énorme et un plus petit. Oui, vous n'écrivez rien dans le chat. Tiens, question, j'ai pas... Ah ben non, je peux pas interagir si je dézoome... Enfin, je dézoome si je perds le focus. Ah oui, de toute façon, je suis prisonnier. Oh merde, j'avais pas vu. Dosebox qui me rend prisonnier, ma souris. Je peux rien faire d'autre. Voodoo. C'est quoi la course suivante? Yeah. Alors, tic. Ah, c'était... oui, merde, j'ai fait un... Bah, c'était un bon entraînement. Waken Races. Championnat. In the unime. Au clavier, je peux le faire? Non, je peux pas. Je peux vraiment faire comme si j'étais... Bah tiens, la manette, je peux le faire? Ah non, non plus. Oui, c'est un peu bancal comme programmation. Mais bon, bref. LHDN. ouais, je vais garder la voiture de débutant. Ouais! Ouais, première course de la saison. Youpi! Ladies and gentlemen, start your engine. Comme ça dans le NASCAR. Oh my god. Oh! Ah bah ça se patate méchant. Ça se patate. La vache, quand j'essaie de bloquer la route. Ah, je suis arrivé trop vite, j'aurais dû freiner davantage. Non. Oula, il y a du vent. Je viens de voir mon volet qui s'est mis à onduler. J'ai commencé à flipper là. Oh, j'en connais un qui est dans une mauvaise posture. Alors il y a des points de course si je les percute. On voit que j'évite le contact. Je suis plus en mode, vous l'aurez deviné, Grand Tourisme que Stock Car. Non, ce qui serait cool, c'est que je reste premier, mais que je patate les retardataires. Je pense que le bon plan, c'est celui-là. Hein, vilain? Merde, j'ai loupé. Tiens. Oh, merde, j'avais même pas le... Mi-course, on se concentre. Ouais, non, je peux pas y aller en dérapage, je suis obligé de décélérer au minimum. Ah, oh, il m'a pas accordé les points. Ah, si, si. Oui, bon retraite, en retard, à plus tard. Ah, j'ai cru que je pouvais l'emboutir, mais non. Aïe! Oh, il m'a poussé le cul. C'est
sais pas si c'était mon concurrent direct. Merde, il y a du vent. Oh la vache. Faudra que je prenne mes dispositions peut-être tout à l'heure ou plutôt demain. Parce que je vais pas y avoir accès aisément, mais demain il faudrait que je vraiment je ferme bien le volet. Oh! Merde! Ouais, dernier tour. J'ai voulu tenter une manœuvre, mais j'ai royalement foiré. J'ai gagné! Mais attention, avec le système de points, je me méfie. Alors déjà, je veux sauvegarder. Ah! Ouais, on va dire que c'est ma carrière de 2024. LSDN 2024. J'ai le droit. Et là, je vous affirme, j'y rejouerai tous les ans. Peut-être, allez savoir. Alors, qu'ai-je fait de joli? Regardons un peu vue télévision. Et moi, ça me permet de souffler un petit peu. Je vais retirer là, je commence à avoir trop chaud au crâne. Oui, non, je peux la déposer devant moi sur la PlayStation. Ouais. Quick. Je suis en train de me dire que mon arrière-plan là, mon fond de bureau Windows, je pourrais reprendre mon image de logo de chaîne et subtilement rajouter des petits marqueurs sur les rebords de l'écran pour voir comment bien centrer une fenêtre 4 tiers, 16 neuvième. Ouais, bah, je vais me faire une capture d'écran comme ça. Enfin, j'en ai déjà fait d'autres, mais bon. Mais ça me permettra au pixel près de bien... de me dire, tiens, je peux cadrer proprement comme ça. Et B. Marche plus ta vocale. Ah bon? Je m'y suis pas connecté, hein, mais... attends, j'arrive. Attends, j'arrive. Hop là, oui, voilà. Il fallait que je débarque. Voilà, c'est bon, tu tiens, on devrait t'entendre, bonjour. Oh là là, c'est quoi? Vérifions ton volume. Est-ce que je t'ai mis un bon volume? Voilà, je baisse un peu. Ouais. Bah, ils diront si t'entendent trop fort ou pas assez pour leur confort. Moi, je le fais à mon retour des oreillettes. Hop là. Oui, donc ça y est, t'as commencé à déballer les cartons, tu vas... Ah non, bah, pas encore. T'as besoin de prendre du courage avant. Non, c'est pas ça, il faut que je démonte l'ordinateur, pendant que je le bureau, que je le démonte, et que après, je peux faire un peu de ménage pour... voilà, puis après, voilà, du coup. Oui, d'accord, t'as pas préparé en fait l'endroit où tu veux monter le. D'accord, ouais. Ah, si, enfin, je sais où il va être, mais j'ai pas préparé, comme je savais pas que le truc arrivait. Oui, ouais. D'accord. Oui, bah, j'avais une fourchette, hein. Ouais. J'avais une fourchette entre 8h et 19h. Bien. Ouais. Tu m'étonnes, c'est une fourchette bien large.
J'en mets mon chat, voilà, que je mette devant à personne. Hop là. Alors, suite du champion. Course suivante. Oh, crossover. Et donc, du coup, tu joues à D60 Derby, tu as quel support d'ici ? Ouais, le premier opus, que merci de m'avoir rappelé qu'il était sur PC, donc j'ai filé sur Abandonware pour, voilà, pour l'installer. Du coup, ça va plus vite, hein, tu sors tout de suite, du coup. Oui, c'est plus facile pour moi. Et d'ailleurs, subtilité que j'ai pas précisé sur mon jeu précédent qui était l'Epic Pinball, je suis passé pour ce jeu là, je suis passé de l'émulateur DOSBox classique à l'amélioré, le DOSBox X qui rajoute des menus à chaud où tu peux pivoter les images disques et tout bouillir à chaud. T'as pas obligé de redémarrer systématiquement ton émulateur et c'est super pratique. Je me souvenais pas le rire sadique de la nana là, qui se moque de toi et qui te déconcentre à mort. Enfin, ça, il y en a plein, hein. Des sadiques, oui, sur la piste. Mmh. Là, ils sont 15. En plus de moi. Non ! Non, je suis dans le mauvais. Ah ! Au secours. Là, je suis dans la mouise, je suis au centre du carrefour. Non, tout le monde me tabasse. Carrefour, c'est un... Alors, comment dire, Auchan, Intermarché, Cora. Ah oui, t'as dit carrefour, hein. C'est pas dire tout ça. J'ai pas réagi, oui, mais bravo. Bien vu. Oh la Moïse. Oh non, mais. Ah ouais, c'est trop vicieux, mais laissez-moi remettre à l'endroit. Ils vont déboîter. Mais oh là là, je me touche. Je... Au secours, c'est dans quel sens? Je vais vraiment me faire déboîter, vous allez voir. Aucun. C'est bien là. La musique est pas mal. Attends, mais... c'est bon, la direction est faussée. La voiture, elle était moisie, la voiture, à force de prendre des coups là. Bah c'est ça, c'est-à-dire que j'ai plus de direction. Je suis condamné à aller à gauche comme tout à l'heure où je me plaignais que c'était mon joystick qui n'était pas calibré. Bon là c'est plus un souci, mais là c'est vraiment le jeu qui la voiture. Bon tu me diras, j'ai comme, deux... comme... Oui. Comme dans la vraie vie quoi. Oui. C'est un accident, ta voiture, elle roule mal. Oui, c'est réaliste. Mais dis-toi que j'ai comparé au jeu par la route où là tu prends n'importe quoi, tu roules quand même. Oui, bah oui, mais c'était tellement drôle de faire un truc arcade et plus simulateur que voilà. Mais oui, ça va de soi. Ou même les Need for Speed, c'est pareil, hein, tu prends des murs, tu roules toujours. Hein. Oui, t'as des crashs hallucinants qui sont pas réalistes, hein. C'est le côté divertissant du coup. Que du coup, ils en font combien que de Destruction Derby? Ils en ont fait que deux, c'est ça? Non, Destruction Derby, en fait, la saga, on en compte 4 des opus. Mais les 3 et 4e sont peu connus et sont sortis tardivement. Le 4e opus, je crois, est sorti exclusivement sur la PlayStation 2. Donc si un jour j'arrive à vous le trouver pas cher en occasion, je pourrais vous le faire. Oh, ça se trouve en Rome sur Internet, ça? Ouais, ou dans mes bonnes boutiques dans ma belle ville. Ouais, là, je passe course suivante. Oh, Ocean Drive. Donc, bientôt, il y aura plus de boutiques comme ça après. Bah oui, ouais, le temps de disparaître, je sais bien. Je sais bien. Non, au pire, si les boutiques disparaissent, il y aura les conventions. Je pense que ce mode va subsister. Ce sera entre guillemets. Ouais, et... ben... convention, il n'y a pas forcément de jeu des fois, hein. C'est plus pour jouer au jeu que de jouer avant. Le dernier Animest dans ma contrée, non seulement il proposait les vieux jeux, mais il proposait des carrément consoles. Tu pouvais repartir à acheter. Enfin, fallait mettre les pépettes parce qu'il y en a qui ont une sacrée valeur.
mais tu pouvais repartir avec une bonne vieille console. Bon, il y avait pas mal de cases. 9, j'ai pas fait gaffe, mais ça va être hors de prix. Comme c'est plus fabriqué depuis des années. Mais... Hey, pas évident ce circuit. Tipi tipi. Tipi tipi. Chibi tipi. Oh, c'est beau, on va laisser un turquoise au loin. À l'horizon. Non, j'ai 0 point de course avec les bagnoles que j'ai percutées. Non, mais non, mais c'est injuste. Bah, si, c'est normal. C'est injuste. Je conteste, monsieur l'arbitre. Aïe. Enfin, là, c'est monsieur le commissaire de course. Ah, mes deux premiers points de collision. Ah, 6 points, c'est mieux. 2 à droite, 6 à gauche. Qui dit mieux? Faites monter les enchères. Oui. Oui, du coup, il y a ces doubles championnats en fait. T'as la performance à quelle position tu dis que la course et à combien de points t'as cumulé de spectacles de carambolage. C'est malin. Ah, il m'a validé, j'ai 2 points de bonus. Ça semblait être un accrochage léger, mais ça compte. Aïe! Ah, comment qu'il m'a eu l'autre? Enculant de mauve. Il m'a bien déboîté. Les salopios, m'a fait bobo. Ouf! Comment je l'ai aidé à faire un créneau, lui? Ah! Le créneau de la violence. Ouh, ça bouchonne, là, il y a du trafic. Faut que je fasse gaffe, j'ai le devant de ma bagnole qui est en rouge. Je suis à la limite du... Ça clignote et ça fume. Vite, il reste encore un tour à nier. À boucler. Non, salopard. Comment tu vas bloquer le passage? Ah, ça nous a de la concentration, on dirait pas. Première vue, on dirait un jeu cucul à praline, mais... Tiens. Comment on est exigeant de machin. Allez, dernier tour. Non, je l'ai grillé d'un tour, les gars. Oh, la classe. Je viens de dépasser en même temps le second et le troisième. Oh, magnifique, un tour d'avance. Ah oui, alors là, le ralenti, là, tu me le sauvegardes, là, je suis trop fier. Ah oui. Twing. Twing. Je crois qu'on peut... Ouais, ils ont gardé la logique sur PC de la console, c'est-à-dire qu'il y a un nombre limité d'emplacements de sauvegarde de ralenti. Comme si j'étais sur une bonne vieille cartouche mémoire. En même temps, pour ce que ça vaut, les ralentis, ce sera grâce à Twitch que nous les aurons. Pam, 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 pam. Et ben voilà comment bien vider nickel un pot de crème fluide. Enfin, je mette ça à la poubelle tout à l'heure. Dans les différents sujets qu'on avait abordés précédemment, et là je grosso dans le temps parce que on en avait parlé il y a 2-3 mois, une théorie au niveau de la vie dans l'espace, les vies extraterrestres de notre bonne vieille Terre,
Et il y a, vous m'aviez fait découvrir, parce que c'était surtout Aerostar et la Jed, qui m'avait fait découvrir la théorie de Fermi, je crois que ça se dit. Alors je l'ai écouté une fois, j'ai les deux vidéos qui les intéressaient m'avaient cédé à regarder. J'ai juste regardé une fois, mais il faudrait que je les regarde deux, trois fois pour bien saisir leurs propos. Alors, l'idée que tout le monde se planque dans l'espace parce qu'il y aurait potentiellement un super prédateur, et ça expliquerait pourquoi on n'a pas de réponse à nos observations et est-ce qu'on est seul dans l'espace. Je peux le concevoir. Par contre, il y avait une autre théorie dans le... dit de Fermi, là. J'y croyais pas du tout. D'un point de vue démonstration logique, je trouvais la base branlante, bancale, pas crédible. Mais j'y reviendrai quand j'aurai bien consommé et bien saisi le propos de la théorie en question. Mais ouais, ce serait effrayant si ça devait être ça. C'est-à-dire qu'il y aurait un super prédateur existant dans la galaxie. Et en fait, tout le monde se terre dans son coin pour pas se faire bouffer, quoi. Il a un nom ? Non, c'est de la théorie, mais... Je sais le nom. Pardon ? C'est le Bastos. Le Bastos. Mais je peux pas m'empêcher, et vous aussi sûrement, de faire des parallèles avec les œuvres de fiction. Star, par exemple, de l'excellent Mass Effect, on pourrait penser au Moissonneur. Ce serait la même logique, en fait. Enfin, bon, qui vivra verra. Mais elle était sympa, hein. Moi, je repense à l'Achèvement, là, que je salue. La démonstration sur son antenne hier soir de la forteresse naine, Dwarf Fortress. Et j'ai bien aimé ma soirée. Il n'était pas convaincu de sa démonstration, mais pour une introduction, franchement, je trouvais ça trop bien. Bon, moi, je suis arrivé là, pardon, j'ai rien vu. Donc... Ouais, c'est pas grave. Mais non, franchement... Sympa. Ouais... Ah bah, il faut que je retape le nom à chaque fois. Ah oui, non, c'est nul, là. Je vais juste saisir n'importe quoi. C'est des vieux jeux, hein. Non. Ouais, c'est des vieux jeux, comme tu dis. Merde, j'ai refait la même erreur. Je sais pas s'il a été sorti en arcade, ce truc-là. Ça s'y prête, largement. Mais est-ce que ils ont franchi le pas, je sais pas. À l'époque, il y avait les Daytona Vista qui étaient très connus pour ça. Ouais. Quand après, ils ont été portés sur des Mega CD et compagnie, là. Oui, Bastos qui me donne l'info comme quoi il est pas convaincu et qu'ils sont toujours les gens pour savoir s'il va publier sur sa vidéo à la demande. C'est qu'une vidéo de plus, j'ai envie de lui répondre à Nashevman. Il la dépose et puis voilà. Moi j'étais vraiment surpris que spontanément il ne veuille pas la publier et l'archiver. Mais bon, bref, il fait ce qu'il veut. Ça m'a vraiment surpris. C'est ton choix. Ouais, on va appeler Vin Thomas, oui, tu m'étonnes. Je suis bien. Oh, c'est bon, j'ai vu un énorme bug graphique. Bon, faut arrêter de boire la bière, hein. C'est pas bon, hein. Mais bah attention, je pourrais avoir tous les 10 aujourd'hui, parce que je n'exclus pas, influencé par Manimet avec tout à l'heure, là, avec l'autre d'amis, de vous parler de Guinness, et surtout que j'ai la chance de m'avoir en stock. Il est déjà au frigo, hein. Il est déjà au frigidaire, je crois. Oui, elle est dans ma porte coulissante, à côté du lait, le sacro-saint lait pour le café. Et oui, une porte coulissante dans un frigidaire, c'est pas possible. Enfin, coulissante, la porte du frigidaire, quoi. Oui. C'est toujours pivotant, les portes frigidaires, que tu saches. Oui, que c'est la taille. Je vais inventer la porte roulante. Yeah.
Alors, j'aime bien la musique, mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas appropriée au jeu, là, pour le coup. Ouais. J'ai l'impression que c'est une musique qu'ils auraient pu shipper à Crash Bandicoot. Éventuellement à Rayman, enfin, je connais mal l'univers de Rayman. Là, pour un jeu pro, cette musique-là, ça s'écoute, hein. Non, mais... en parlant de Rayman, il est en train de ressortir, Rayman. Ah. Mais pas sous un jeu vidéo, sous un jeu de plateau. Oh, c'est sympatoche. Tiens, faudra en toucher mot à Nayonet, il aime bien les jeux de plateau aussi. Ah quoi, je ne connais pas les règles, j'ai pas vu d'image trop de plateau ou autre, donc voilà. Mais voilà. Oh, tu me rappelles un beau souvenir de l'enfance. Adolescent. Dans mon quartier, j'avais un copain qui était miséreux, hein, pardon de le dire. Son seul vrai luxe, c'était d'avoir un toit et à manger et encore. Il me faisait comprendre que tous les jours, il avait parfois l'estomac assez vide. Mais on s'était réunis entre copains pour lui concevoir un Monopoly. Merde, je suis mort, j'ai pété mon moteur. On lui a fait en fait on lui a conçu un Monopoly personnalisé, quoi. On est parti sur une planche en carton qu'on a dessiné, colorié, on a découpé des jetons, machin, je sais plus quoi, des cartes. Et je me souviens qu'il avait adoré, il était super content. Wow, cette prise en sandwich! Et puis je peux même pas reculer. Ouais, si, ah, c'est bon. Oula, c'est vicieux! Ah ouais, non mais la chicane, laisse tomber. En stock car, la chicane, ça part même pas. Oh, c'est une route normale. C'est bon, ça. Après, c'est pareil, en vieux jeu comme ça, tu as Carmageddon aussi, hein, qui est... Je l'ai testé brièvement une fois, peut-être une heure, et j'ai pas adhéré comme ça, parce que l'idée de dégommer du monde en volant comme un foufou en ville, bon. Je préfère plus la taupe froissée que le carnage. Ouais. Il y a aussi de des pixels là-dedans. Ouch. Je sens que j'ai bousillé comme un grand ma bagnole. Les virages que je passe mal et je percute tout seul le mur. Au bout de 10 tours, il n'y a plus de bagnole là, comme ça. Je me retrouve avec le bloc moteur. Tu auras du mal à avancer en fait. C'est ça. T'as déjà du mal à tourner alors avancer, oula. Exactement. Je reconnais que c'est simple et efficace. Qu'est-ce qu'il y a dans ce petit paquet? Les vis, les époux, les bolins. C'est quoi cette musique-là? T'as cru une merde. Oh, tu vas pas à l'envers. Oh là là là, c'est un peu de merde. Ah ouais, c'est chiant, il y a des meubles en fait. Quand tu te plantes, que tu montes le truc à l'envers, ou que tu fous un truc en biais, du genre une vis. Ouah, qu'est-ce qu'il fait à contre-sens, l'idiot de mon. Pour récupérer ça, parfois sans bousiller le meuble, c'est l'angoisse. Non, après le montage, il passe pas compliqué. Hein. Tant mieux. Ah, il y a des roulettes. Des roulettes. Mais quand je vous dis que je vais poser ma bagnole avant d'arriver, il y a des virages, j'arrive pas à me passer proprement. C'est idiot, je suis venu dans la course, là, je suis deuxième. J'ai une sorte de goulotte pour les câbles. Oh, oui, c'est bien les goulottes de câbles. Ah,
C'est ce virage là qui est super. C'est... Il n'y a rien à faire, je peux pas. Ok. Un peu trop. Ça, c'est un truc. Super intéressant, ça. Il y a 4 petites pièces là. Je pense que pour le tiroir, ça. C'est un tiroir. Un pied, c'est un pied. Un gros pied. Un autre pied. Un autre pied, un autre pied, 4 pieds. Ça peut être utile. Ouah, carambolage dans la chicane. Alors là, il y en a à peine 2 qui peuvent passer de fond. Alors qu'éventuellement on fait 4 de front sur la piste. Oh non, comment qu'il a failli me ruiner ma course, lui. C'est encore le loustique de pilote mauve là. Pilote mauve. Ouais. Mais j'ai gagné. Là, il reste vraiment pas pour louper. Je vais sauvegarder déjà d'une ma progression. Et je veux fièrement sauvegarder mon ralenti. Parce que je... Voilà. Mais... Bah... C'est quoi? Ah non, pardon. Autant pour moi. J'ai appuyé sur la mauvaise touche. Et il est là. Alors, attends. Non, puis en dehors du meuble, dans l'ensemble de ton installation de Nier de Geek à venir, fais comme Torota a pu le faire là cette semaine, investir, comme moi j'ai la chance d'avoir depuis le début, un bon siège fauteuil. C'est indispensable pour avoir paisiblement de longues sessions de jeu en direct. Bah ça, je vais plutôt attendre d'avoir le bureau de montée pour savoir les distances par rapport aux genoux, etc. Ouais, mais je me réjouis à l'idée que tu puisses investir après, ouais, ouais. Ne néglige pas ça, parce que avoir une bonne assise, moi j'ai la chance d'avoir un fauteuil, vous savez, des fauteuils électriques de vieux là. Oui, tu t'enfonces dedans et on ne voit plus là. Exactement. C'est le fauteuil qui m'absorbe. Tellement que t'es bien, tellement tu bouges plus. Merci Torota. Ouais, je vais boire un coup, t'as raison. C'est le fauteuil qui me digère lentement, tel une plante carnivore. Heure après heure, je fonds. Alors tiens, je viens de t'envoyer en message Discord, ouais. Message. Attends, je... Un jeu gratuit sur Steam. Uh-huh. Je regarde immédiatement. Et 20 labyrinthes en fait, ça. 20 petits labyrinthes. Ah yeah, c'est la fête. Merci. Ils vont pouvoir t'énerver. D'accord. Et c'est gratuit. Ok, bien vu, bien vu. Et il n'y a qu'un seul succès, en plus. Ah ! Bah attends, je vais partager. Et en fait, faut terminer tous les 20 labyrinthes. Je vais partager ton lien pour ceux que ça intéresse sur le chat. Mais merci, Twinsen. Eh oui. Tu veux faire un petit jeu sympa, gratuit Bon, c'est un peu énervant sur certains trucs, hein, tu comprendras. Ouais. Que chaque labyrinthe a sa technique, sa physique, sa façon de faire. Okay, okay. En général, c'est d'aller du point A au point B. Vivi. Et entre deux, bah il y a. Puis au niveau des touches, c'est je crois que c'est les croix, c'est tout. Pardon. Et c'est gratos. Chez chaque est bon, chez gratos. Vous, Didiou.
C'est bizarre ce pont surélevé dans le décor là. On se croirait au niveau d'un aéroport avec le corridor d'embarquement. Bon, c'est une boîte d'original, c'était vraiment imaginé par les. Ah non, c'était une boîte de circulation surélevée. Ok. Je suis prêt à l'imaginer tel quel. Bah comme c'est des pixels bien baveux à l'ancienne, la PlayStation 1, il y a parfois tu peux avoir évidemment des problèmes d'interprétation de qu'est-ce qui c'est, qu'est-ce que les concepteurs ont voulu suggérer. Ce qui faisait partie d'ailleurs des charmes des jeux de l'époque. Ah, les tribunes avec le public, c'est une texture bien, bien hasardeuse, mosaïque de pixels au pif. Tiens, je viens t'en trouver un autre de la. Je viens t'en trouver un autre de la bière. Hein. Oh. Mi FPS, mi Abira, ça va te plaire ça. Oh oui. Oh oui. Si tu ouais. Trouves un truc comme l'écran de veille de Windows 95, oui. Ah non, mais c'est pas loin, mais c'est très dépouillé. Hein. Attends voir, je vais regarder ça. Merci, Twin Sen. Maze, d'accord. Ah, idem, là je vais le partager aux intéressés sur le. C'est gratos aussi, hein, bien sûr. Vivi. Hop là, s'il y en a qui seraient intéressés. Zou. On fouille pas assez là les jeux gratos. Hein, bon. Ouais. Toujours proposer des jeux en multi-payant, voilà. Oui. Oh, oh merde, une arène circulaire. C'est. Oh là, ça va mourir les méchants. Jusqu'à la mort, j'en suis. Oh, violence. La violence, on était. Merde, alors ça, c'est le jeu que tu rêves de le faire en vrai quand t'es vénère, quand t'as marre de perdre ton temps à trouver une place de parking, tu sais. Et t'as très envie de déboîter les autres. T'as posé. Déjà, tu retires tous les yeux, et là, t'as la place. Oui. Tu parles qu'un pouce, la voix qui est déchaînée. Et bon, tu le fais pour en vrai, parce que en général, t'abîmes la voiture. Hein. Oui, c'est surtout ton assurance qui va te tomber dessus. Ça coûte cher la réparation après. Oui, c'est ça. Merde. Ah, j'ai pendant longtemps j'ai mis une marche arrière. Hein. Ouais, je suis mal engagé là. Je me suis trop exposé et il m'a bien déboîté. Qu'est-ce qu'il part en marche arrière, mais il est fou. Il a peut-être l'avant trop défoncé, du coup il va emboutir avec le coffre. C'est une technique, il est peut-être pas si fou que ça. Ouh, les frontales, faut éviter. Ah, c'est la guerre. C'est la guerre, guerre nucléaire. Ouf. Chic, on a crédité de 2 points de carambolage. Oh, 4 points. C'est bon, ça. On a plus de points. Ouf. Oh, il y en a qui partent en toupie, ça fait peur. Oh, magnifique. Non, ne me dis pas que j'ai pas de points. Oh, j'ai embouti sa portière. Tiens. Non, bah le jeu est vide, hein. Il veut pas que je l'emboutisse comme ça. Essayons de marcher arrière, mais ça marche pas tant que ça. Autant dire que tout. Ah, je me souviens plus, mais là, je fais des points si t'arrives à la fin, enfin premier, sans des moindres dégâts. Ah ouais, mais énorme quoi. Ah bah, ça y est, division 4 finit premier, 124 points. Oh, j'ai le droit d'aller dans l'autre division. Trop fort. Oh, je penserais pas que ma première expérience allait si bien se passer. Ça fait plaisir. Oh merde, j'ai oublié de remettre le chat, mais je vois pas ce que vous m'écrivez, excusez-moi. Non, j'ai toujours pas mis les vents. C'est ma hantise numéro 1 dans l'expérience Twitch, c'est mettre des vents à quelqu'un.
Mais en plus, t'as la chance d'avoir, deux écrans, donc. C'est ça le pire. Ouais, ouais. Surtout que j'avais déjà dit que je pouvais avoir la chance de, et je le fais pas, d'utiliser un troisième écran portatif qui est ma tablette. À mes tout débuts, je le faisais. Je voulais absolument vérifier en contrôle qualité ce que je diffusais en direct. Et je devenais mon propre spectateur, le mec qui est ultra égocentrique, tu sais. Mais ça permettait de vérifier comme quoi tout marchait bien en direct. Pourquoi je peux pas ? Ah, je peux pas parce qu'en fait, j'ai pas le focus. Voilà pourquoi je peux pas aller dans les options. Merci. Alors, next season, saison suivante. Ah ouais ? Attendez, j'ai fait le bon choix ou pas là ? Je suis pas sûr. J'ai l'impression d'avoir d'être resté en division 4 et de redemander une. Bah, je suis encore mumus sur la course là et puis je passerai sur un autre jeu. J'aurais eu ma dose de Destruction Derby. Ah non, c'est bien l'autre saison. C'est un nouveau tracé. Oh la vache. Oh mazette. Je n'ai rien dit. Mauvaise observation de ma part. La surprise fut totale. J'ai l'impression qu'ils font de la pub pour un jeu 3D. Ah oui, les Lemmings 3D. Ok. À l'époque, c'était sûrement la même boîte qui développait. Ah, j'aimerais bien voir plus en détail la fausse pub. Il y a une fausse pub avec un mec qui joue du violon. J'ai l'impression qu'ils font la promotion de la musique d'opéra. Aïe, aïe, aïe. Oh, bonne mère. Il m'a bien eu. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Défonce-moi la portière. Ah, j'en reviens pour l'histoire de mobilier, c'est une scène. Aussi, en fonction de ce que t'achètes, soit t'as le petit tournevis, entre guillemets, universel, non universel j'abuse, mais le petit tournevis pour monter ton meuble, généralement un tournevis de basse qualité, hein, pas dire jetable, soit tu te démerdes avec tes propres outils, donc je sais pas si t'es dans quelle configuration là dans ton cas. Merci Tunsen. Ah mince, tu vas être occupé à autre chose et du coup tu me mets un vent merveilleux. Non, je suis là. Ah, tu es là. Ou alors tu étais conscient. Non, j'ai mes outils, tout ce qu'il faut, de différentes tailles, formes, en bout, possible inimaginable. En même temps, venant de toi, bon. Ça fait très surpris que tu dises que t'es dépourvu et que tu n'aurais pas le bon outil. Ah bah non, si je suis qu'un couteau, je serai ma barrée. Hein. Ouais, ouais, d'ailleurs surtout t'es pas fait. Mais ouais. C'est pour que ça tienne, hein. Faut que ça tienne quand tu sers un truc. Hein. C'est dans le bureau quoi. Ouais, sur les points zéro. Oh, je crois que je commence à maîtriser une subtilité du tracé. Ah, je pensais pour Christella, etc. Par rapport au simulateur de camion, ça m'est passé sous le nez. Je sais que j'ai un ancêtre des. Là, c'est notre simulateur de camion aux États-Unis ou Europe. Ça s'appelait le roi de la route, King of the Road. Et c'était un premier simulateur de camion. Et il faudrait qu'à l'occasion, je m'amuse à faire un petit tour dessus pour voir ce qu'il est. J'y pense parce que là je voyais des camions sur la droite. Et juste pour la rigolade, ça c'est amusant de. Que j'en fasse un peu d'exhibition sur mon canal de ce jeu qui est tout sauf populaire. C'est le genre de jeu que t'avais offert avec ta boîte de céréales. Super c'est fini ça. Ouais, c'était une époque rigolote. Je crois qu'à l'époque, il y a eu le jeu Art of Darkness qui a été offert comme ça.
Et ben, je me demande si c'est pas comme ça que je l'ai eu. Pas sûr, mais. Sur PC, je crois, oui. Ouais. Comme les cadeaux, comme les cadeaux bonus, ça. Ouais, la lessive aussi, c'est vrai, il le faisait. Oh là 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 là. C'est vrai, j'avais zappé ça. Que de vieux souvenirs. Tu m'étonnes. Oui, allez, j'arrête pour aujourd'hui mon Destruction Derby. Je pense qu'on a tous eu notre dose. C'était sympa. Et du coup, après ? Eh ben, je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire. Ça va être... Sans besoin de plaisir.